Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 2 mai sur l'hippodrome d'Örebro en Suède. Avant toute chose, revenons sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce jeudi sur le site de Boden, toujours en Scandinavie. Comme prévu, notre favori BWL Ruthless, le numéro 6, s'impose à la cote de 2,60 et permet à Top Prono de donner le tiercé dans le désordre lors d'une arrivée pourtant pas si simple à déchiffrer. Du côté du concours de pronos gratuit, plutôt que de revenir sur le résultat du jour, mettons en avant le classement général du mois d'avril. Avec 4443 points, T15 trust la première place devant Zenica et Turfimania, qui réalisent également un très joli mois. Bravo à tous les trois. Allez, prenons une nouvelle fois la direction du nord de l'Europe et plus précisément du site d'Örebro. En ce samedi 2 mai 2020, un excellent tiercé quarté quinté plus sera proposé lors du prix Voralino, 8e course de la Réunion 1, dont le départ sera donné à 17h27 pétante. Sur le parcours des 2100 mètres départ lancé de la piste à main gauche, elles seront 12 femelles de classe à espérer le succès. Avant coup, nous pensons détenir les bonnes favorites. Tessie d'été sera logiquement la grandissime favorite de l'épreuve, et une fois encore, nous pensons que la préférée va assurer le spectacle. Ayant brillé tout au long de l'hiver à Vincennes, elle s'attaque à la Suède avec de hautes ambitions. Unique Junie, le numéro 3, n'est pas forcément un pénalty à la gagne, mais elle est la bonne base de cette compétition. En forme étincelante depuis quelques semaines, impossible d'aller contre sa candidature aujourd'hui. Kalina, le numéro 11, a fait plaisir à Jean-Michel Bazire durant l'hiver à Vincennes. Revenue dans le nord de l'Europe, elle compte bien briller d'entrée de jeu. Rose Run Sydney, le numéro 10, est présenté par l'habile Daniel Redden et piloté par le non moins talentueux Orian Schillström. Ayant fait de belles choses aux Amériques, elle compte maintenant triompher en Suède. Willow Pride, le numéro 5, avec un remarquable positionnement derrière la voiture, peut espérer tripler la mise face à meilleur cette fois. Dibaba, le numéro 8, a un très joli compte en banque pour une femelle de 6 ans et compte bien le faire savoir ici. En cas de non partant, la valeureuse Isle of Paris, le numéro 9, entrera alors dans notre combinaison en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.